Bon, ben, aujourd'hui, il fait moins 50 000 degrés, Stéphane. Ah, ça arrive à jouer. Alors, ça, c'est Stéphane, c'est mon partner de la journée. Ben, de pas mal tout le temps. Hein? Oui, oui. On est comme en équipe dans notre camion. Ça va bien, ça va bien. Lui est bon. Moi, je ne sais pas encore ça, parce que c'est tout le temps lui qui conduit, mais c'est pas grave. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va avec. Ben, c'est 53 pieds, ça, cette affaire-là. Hey, c'est long en tas. Et pendant ce temps-là, Stéphane fait la chose qu'on aime le plus faire au monde, c'est-à-dire les rondes de sécurité. Il faut vérifier que le camion ne va pas décider qu'il ne file pas bien pendant qu'on est en pleine conduite. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Là, je viens de vérifier le chargement, être sûr qu'il est bien arrimé. Là, bien, il me reste l'autre côté de la remorque à faire. Pression des pneus, les roues s'ils sont corrects, les valves, être certain que tout est en place. Bon. C'est bon. Parle-moi donc de ton partner aujourd'hui, là. Ah, mon partner. Écoute, il est bon, mais il se sous-estime. Fait que aujourd'hui, on va avoir une belle run à faire en ville. Puis, je pense qu'on aime bien ça travailler ensemble aussi. Je vous présente le camion qui m'est attitré aujourd'hui. Alors, c'est un grand camion avec. Un grand espace ici. Ça, ça s'appelle le modèle condo. C'est le modèle que tu peux être debout sans avoir de misère. C'est le modèle condo avec une belle banquette. Dans mon cas, ça va être un lit, ça. Toi, tu vas-tu faire du longue distance? Oui, ouais, je vais faire du US. Fait qu'évidemment, tout ça, ça va être aussi couchette, micro-ondes, frigo. Ouais. Faites pour la longue. C'est un camion automatique parce que à chaque fois qu'on essaye des nouvelles manœuvres, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, là, faire des intersections assez serrées en ville, ben ils veulent que ce soit plus facile, qu'on n'ait pas à se préoccuper du bras de vitesse et tout ça. Alors c'est pour ça que on a une automatique aujourd'hui. Je vais vous dire bien franchement, je préfère les automatiques à ce jour.